Des manifestants soudanais ont installé des barricades à Khartoum un jour après une répression meurtrière contre des rassemblements de masse samedi. L'un des leaders de la contestation affirme que les manifestations se prolongeront jusqu'à ce que l'armée rétablisse un gouvernement civil. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à travers le pays pour les rassemblements de samedi et plusieurs personnes auraient été abattues. Mais la police soudanaise a déclaré que ne pas avoir utilisé de balles réelles. Dimanche, le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan aurait limogé le procureur. Al-Burhan a également relevé de leurs fonctions plusieurs responsables, dont des diplomates, depuis que l'armée a pris le pouvoir la semaine dernière.